édition du Yako Combat. Donc là, on est parti. C'est la nouvelle édition. Donc on va découvrir au fur et à mesure tous ensemble. Allez, c'est le premier live du coup le soir. Donc on dirait qu'il y a du monde au rendez-vous. Donc c'est chouette. Allez, j'espère que vous êtes prêts à vous défouler. N'hésitez pas, on va bouger. On prend du plaisir surtout. Allez, super. Tu me dis quand tu veux. On va pouvoir se mettre en place. Donc échauffement tranquillement. Allez, c'est parti. On envoie. C'est maintenant. C'est l'heure. Allez, go. Poussez les meubles. Yes. Allez, très bien. On va placer la garde. Et juste, petit rebond, on y va. Et on va commencer avec des upper up. Gauche et droit. On alterne, c'est ça. On va chercher la mâchoire. Décolle le talon, droite. Et on va les doubler, on les double. 1 et 2. 1 et 2. Encore. Double. On va chercher la mâchoire. On remonte légèrement. Encore. Monte. Monte. Yes. C'est ça. Encore une dernière fois. Et on va ouvrir la hanche gauche. On ouvre la hanche et deux fois derrière. Ouvre droit. Encore. Ouvre la hanche. Et monte le genou. Toujours la garde en place. Yes. C'est ça. Très bien. Encore une fois de chaque. Et on transforme un genou gauche et un genou droit. Un genou devant et droit. Encore. Genou gauche. Toujours les pas vers l'arrière. Il y en a deux. C'est ça. Allez. Et ça va venir. Trois genoux. On y va. Trois genoux. Un, deux. Pas en arrière. Et de l'autre côté. Trois, deux et un. Toujours du recul. Trois genoux. Une dernière fois. On transforme encore. Et kick avant. Kick avant alterné. De pas en arrière. Bascule légèrement ton muscle vers l'arrière. Et kick. Yes. Allez, tonique. Parfait, c'est ça. Encore. Deuxième phase, juste des directs. Gauche, droite. On alterne, droite et gauche. Ici, tu vas chercher le nez. Décolle le talon. Très bien. Parfait, doucement. Et là, on en met deux de chaque côté. Gauche, deux. Et droite, deux. Encore. C'est ça. Parfait. Allez, encore de chaque côté, il y en a deux. Et on prépare le kick côté, monte genou gauche. Tu reposes et te rebonds. Genou droit, monte, repose, te rebonds. Encore. Gauche, repose, te rebonds une dernière fois. Et cette fois-ci, on le fait complètement. On y va gauche. Kick, repose et te rebonds. Trois. Tu montes bien le genou. Devant. Pousse, repose, de rebond, une dernière à droite, et ensuite on les alterne avec deux pas. On y va, gauche, gauche, deux pas, et droit, encore. Tu montes le genou, et tu pousses avec le talon. Toujours la garde en place, on se protège. Yes, allez, on va chercher en bas. Si on se sent à l'aise, on n'hésite pas à monter un peu, et ouvre la hanche ici. La hanche sur le pied d'appui. Yes, pousse, encore deux. Et troisième phase, on y va sur des crochets gauche, gauche et droit. Allez, c'est la dernière phase de l'échauffement. Ici, on va chercher la mâchoire. On finit avec le menton, le mouvement. Yes, le coude plutôt. Et double. Un et deux. Parfait. Encore. Un, deux. Décolle toujours ton talon. Un et deux. Encore de chaque côté. Et ensuite, on prépare kick circulaire à gauche. Tu montes, tu reposes et deux rebonds. Côté droit, tu ouvres la hanche, repose. Là, c'est le talon vers le fessier. Encore une fois. Yes. Et là, on le déplie. On y va. Déplie, repose et deux rebonds. Tu reposes toujours ta garde. Encore. Dernière fois à droite. Yes. Allez, on y va. Droite et gauche. Gauche plutôt. Gauche, de bas et droite. Encore. Kick. Talon vers la tête. Tu ouvres la hanche. Et tu ouvres bien le pied qui est au sol. Allez. Ouh. Encore. Si tu te sens à l'aise, n'hésite pas à monter légèrement. Encore. Tu alternes droite et gauche et de bas. Ouh. Allez, c'est ça. Allez, on arrive au bout de l'échauffement. Ouh. Et on relâche. Ok, yes. Donc je vous montre. Là, on aura un coup de couteau. Donc là, vous avancez le pied vers l'avant. Ensuite, kick arrière avec le pied droit. On repose. On a un direct dans le nez, un croisé légèrement. Et toujours un direct ici.
On bloque un temps, ensuite deux genoux droits, tu reposes et ensuite le back fist. Donc là, tu viens chercher le point de côté latéral et tu avances le pied devant et tu reviens. Donc là, en plus rapide, ça donne un couteau, kick arrière, direct, croisé, direct. On bloque un temps, deux genoux et tu avances avec le bras déplié et la jambe. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. On est prêt ? Je suis prêt. Allez, des petits rebonds, on place la galarde. Donc là, on place le pied gauche devant. Et on commence avec le couteau, on y va. Couteau, reviens. Avance le pied gauche et tend le pied. Et tend le bras. Ok, encore. Avance, légèrement fléchi vers l'avant. Yes. Et ensuite, on rajoute un kick. Le couteau, kick arrière et rebond. Encore, couteau. Couteau, kick arrière et rebond. On continue. Rebond, on rajoute les 3, 1, 2, 3, on y va, couteau, direct, direct, crochet, direct, on y va, yes, direct, croisé, direct, encore, couteau, kick arrière, direct, croisé, encore, et on relâche, yes, petit rebond, là ce sera un genou, un genou, on monte le genou, on y va, genou, et tu reposes, genou droit. Encore. Twiste légèrement la taille. Yes, encore. Bon. Parfait. C'est ça. Et ensuite, on en met deux et rebond. Un et deux et rebond. Avant, avant. Encore. Deux genoux. Trois. Rebond. Encore. Yes. On rajoute un dernier pas. Attention. Deux genoux et back twist. On avance, on y va. Deux genoux. Un et deux et back twist. Recule. Un, deux, avance. Pied gauche et bras droit tendu. Dernière fois. Ok, on se replace. On revoit la combinaison finale lentement. Et après, on y va, on donne tout. On y va, couteau. Couteau, kick arrière. Ensuite, direct, croisé, direct. Tu bloques ici, deux genoux droits. Le back fist. On se replace. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Couteau, derrière. 1, 2, 3, deux genoux droits. Back fist. Encore, couteau. Yes. 1, 2, 3, deux genoux. Monte. Monte. Avance. On repart encore. Deux fois. 1, 2, 3, genoux. Dernière fois. 1, 2, 3, genoux. Deux. Ouh. Ok. Ça, c'est des premiers côtés. On replace la garde. On repart sur les couteaux. Donc là, c'est avec le pied droit, bras droit. On replace et on y va vers l'avant. Monte, monte. Allez, avance. Et le coude gauche, c'est le long des côtes. Yes, encore. Pense à respirer un peu. Parfait. Et ensuite, on rajoute le kick. Couteau, kick. Et remonte. Avant, avant, encore. Couteau, kick. Yes, encore. Et on rajoutera les directs à la fin. Direct, croisé, direct, croisé. On y va. Direct, croisé, direct. Couteau, kick, kick. Encore. 1, 2, 3. Dernière fois. Ouh. Ok. Il y a les genoux qui arrivent. On commence avec le genou gauche. On y va. Genou, repose. Place toujours ta garde. Quand tu reposes le pied au sol. Encore. Twiste légèrement. Encore. Et ensuite, on en met deux. On y va. Et rebond. Un et deux. Avant. Encore. Deux. Gauche. Gauche. Avant. Avant. Encore. On rajoute le back fist. Genou, genou. On avance. On y va. Deux genoux. Un. Deux. Back fist. Encore. Monte. Monte. Yes. Encore. Monte. Deux genoux. Avance le pied droit. Ok. Mini récup. Donc là, on revoit tout lentement. Combinaison finale de ce côté. On repart avec le couteau. Couteau, pied arrière, gauche. Direct, croisé. Direct, on bloque un temps et deux genoux. Gauche. Gauche et le back fist. Allez, on donne tout. Quatre fois, on y va. Couteau. Un, deux, trois, deux genoux. Gauche. Back fist. Encore. Couteau. Un, deux, trois, genoux. Gauche, deux. Back fist. Encore deux. 1,
deux, trois, deux genoux, gauche, gauche avance, dernière fois, couteau, un, deux, trois, genoux gauche, et on y va, dernier, yes, c'est parfait. Je vous montre la combinaison qui arrive sur cette troisième chanson. Donc là, ça sera un upper, un crochet, upper. Donc ça, ça sera assez rapide. On bloque à temps et 4 ciseaux. Ok ? Upper, crochet, upper. 1, 2, 3 et 4. Et après, il n'y a plus qu'à y aller. On est prêts ? Ça y est, ça stage comme ça. Et il y aura des petits jumping si on veut. Au début, pour bien faire monter le cardio. Tu transpires juste la colonne. Allez, on est prêts, on est lancé maintenant. Ça glisse ou il y a un peu pas là ? Aïe. On place la garde, pied parallèle, et là juste des petits rebonds gauche et droite, gauche, droite, gauche, droite. Yes. Et on y va, sino gauche et droite. Rapide. Yes. Encore. C'est ça. Encore, encore. On va changer. Double pas à gauche. On y va. Deux rebonds. Un, deux. Un, deux. Encore. Un. Il y aura 16 jumping jacks qui arrivent. Donc 4, 3, 2, on y va. Jumping, jump. On ouvre bien les genoux, on fléchit les jambes. Toujours la garde en place. Yes. Encore, encore. Yes. Allez, encore, on continue. Vite. Mais non. Après, on change. Upper. On était parti. Juste, on était parti. Encore. Monte, monte. Yes. C'est ça. Juste upper gauche. Et ensuite, on change, on rajoutera un crochet. On y va. Upper, upper, crochet, lent. Upper, crochet, monte. Yes. Encore. Upper, crochet. Nouveau changement. Là, on accélère, on rajoute un upper à la fin. 1, 2, 3, et tu bloques. Encore. 1, 2, 3, rebond si on veut. 1, 2, 3. Yes. Encore. Et si dos droit, 3. On place la garde, on suit le rythme, encore, on les accélère un peu, yes, préparez-vous, la combinaison finale arrive bientôt, on accélère encore, allez on dépouche, c'est le moment, ça monte, donc upper, crochet, upper et 4 ciseaux, 4, 3, 2, on y va, 1, 2, 3 et 4, upper, crochet, upper, 1, 2, 3 et 4, il y a un blocage ici. 1, 2, 3, 4 ciseaux. Encore. 1, 2, 3 et 4. Droite, gauche, droite, gauche. Yes, on est à fond là. Allez, on change de côté. Ça, c'était l'avant-goût. Droite et gauche. Ciseaux, droite et gauche. Droite, gauche. Encore. Et double rebond à droite. Yes. Il y a les jumping qui arrivent. On y va. Jumping. Il y en a 16, toujours. Encore vite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On relâche. Pied droit devant. Et là, upper droit, on y va. Droite, droite. Toujours le droit, monte. Tu vas chercher ici le menton. La mâchoire plutôt. Encore. Et upper crochet, on y va. Upper crochet, lentement. Alterne. Upper crochet. Monte, côté. Monte. Yes. Ok. Dernière fois, et ensuite on accélère, on rajoute un upper. 1, 2, 3, et remonte. Encore. Monte, côté. Yes, deux encore. Une dernière fois. Et ciseaux gauche, on y va. Lentement, il y en a quatre. Deux. Trois, gauche. Quatre, on accélère un peu. Un, deux. Oui, option facile avec Fredo. Yes, on accélère. Et si on est chaud ce soir, on descend un peu. Allez, on tourne. Option dure. Allez, on se prépare, on fait tout. Upper, crochet, upper, on y va. Upper, crochet, upper. 1, 2, 3 et 4.
et on alterne sur le côté deux pulses, ok? Toujours le même côté pour commencer, il y aura des fentes plio. Et ensuite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et à la fin, des fentes plio, on se met en équilibre et juste des petites pulses ici, ok? Et à la fin, ça monte, et là, c'est le moment où les cuisses chauffent vraiment, mais on bosse un max. Il y a des options aussi, hein. Oui, bien sûr, il y aura des options, vous inquiétez pas. C'est peut-être là que je vais être un petit peu déçue d'être venue finalement. Ça va chauffer, mais ça va faire du bien. Yes. Allez, on continue, il en reste plus que deux, donc je compte, on compte sur vous, hein. Au taquet, jusqu'au bout. Let's go, let's on tient go. Allez, go. C'est parti. Si jamais vous êtes à ce moment-là en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On adore le Yako Combat. Alors, musique 4, du coup. Allez. Donc là, on se place, quelle largeur de hanche, genoux légèrement ouverture, on place la garde, on cherche la longueur dans la colonne vertébrale, yes. Donc là, on commence doucement, on descend lentement en deux temps, on y va. 1, 2, et on ramène les coudes au côté, on revient. 1, 2, et on touche, encore. 1, 2, tu pousses les fessiers bien vers l'arrière, dernière. 1, 2, on y va sur 2 pulses en bas, on y va. 2 pulses et on tourne à gauche encore. 2 pulses. On revient de face. 2 pulses, on continue. Toujours de même côté. 2 pulses encore. Yes. Parfait. 2 pulses encore. Et ici, on reste. On y va pour les points de trio. On accélère. 1, 2. Donc là, n'hésitez pas à prendre l'option d'assiette comme en dos si besoin. En prendre un dernier encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu lèves la jambe droite et tu te fixes sur la jambe gauche. Juste petite pulse, une pompe en équilibre et toujours la garde en place. 6, 5, 4, 3, 2, tu relâches et tu te remets en place. On repart en deux temps. 1, 2, toujours deux passes. Encore. 1, 2, tire les coudes le long des côtes. Très bien. On récupère un peu. Pousse les fessiers vers l'arrière. Et ensuite, on intègre les pentes. Deux pulses en bas. Droite à droite, deux pulses. Et on revient de face. 1, 2, toujours droite. Encore 2. 1, 2, yes. Très bien. On reste ici. Les pentes pliées, il reste 7. Allez. On va chercher la hauteur. On reste le pulse droit. Ou option facile comme Fredo. Avec les pentes alternées vers l'arrière. Très bien. Yes. Et jambe droite, jambe gauche. En finisse plus. Yes. On monte, on monte. Toujours ton équilibre sur la jambe droite. Légèrement fléchi. Là, on relâche, on se remet en place en squat. Et on plante deux temps. 1, 2, yes. Encore. Troisième phase. On a exactement la même chose. Sauf que là, on a 4 côtés gauche, on pente, 4 côtés droit. Et on y va en 2 pulses, squat. 1, et à gauche, il y en a 4. Ici, on revient toujours de face, mais encore. Il en reste 2. Toujours 2 pulses, 2 pulses. Très bien. Et la même chose, on repart à droite. 2, 1, 2. Et à droite. Si là où ça commence à chauffer. 1, 2. Allez, gérez l'amplitude selon vos capacités. Ouh, ça commence à chauffer. On regarde de face et 3 pulses. 1, 2, et là tu fermes et tu ouvres. 1, 2, si on veut, on ferme en marchant, on ouvre. 1, 2, 3, option jump. 1, 2, 3, et plus dur si on veut. Et là on saute et on touche les pieds. 1, 2, 3, option facile avec les dos. Allez, on arrive à la fin, la dernière. On tient bon. Ça picote un peu. Les cuisses commencent à trembler. Je vous montre les combinaisons pour la dernière. Donc là, on va commencer avec coup dans les côtes, on avance le pied et on aura upper alterné, ok? Ça, c'est plusieurs fois. Et ensuite, combinaison où on aura coup dans les côtes, deux petits sauts, d'abord de face. Et ensuite, on va faire un petit carré, on tourne. Ici, de face. Et on tourne, deux sauts. Derrière, côté, encore, on revient de face. Et là, on alterne des uppers, ok? Et après, on tournera dans un autre sens. Vous allez avoir un peu le tournis. Non, je rigole, ça va le faire. Allez, chacun à son rythme. Parfait.
On essaie de donner un max, c'est la dernière, donc là, maximum d'énergie. On compte vraiment sur vous, derrière votre écran. Yes. C'est parti. Allez, déplacez les chaises de quelques mètres. Allez, on a un peu de place là, du coup, on va tourner un petit peu. Donc place au niveau latéral et devant, derrière. On y va. N'hésitez pas à crier. Hein. Ah, chez vous, réveillez les voisins, le quartier. On est au taquet jusqu'au bout, allez. Maximum d'énergie. Allez, on place la gare. Et petit rebond. On utilise les bras. Ah, ouais. Encore. Monte les genoux. On utilise bien le mouvement. Ouh, on relâche. Ouh. Allez, pied devant. Et on va chercher uppercut. Coup, coup dans les côtes. Et upper alterné. Encore. Coup dans les côtes. Alterne. Encore. Pied gauche, shoulder. Gauche, droite. On relâche un tout petit peu. Et on repart avec les jumps, on y va. Coup dans les côtes, deux jumps, deux passes. Coup. Encore. Et là, on tourne à droite. Parfait. Et upper. Allez. On se ferme mieux tout à l'heure. Upper, upper, upper. Allez, on monte les genoux. On monte les genoux. Allez. Yes. On accélère. Et on repart devant. Coup dans les côtes, saut. On tourne, pardon. On y va. Gauche, droite rapide. C'est ça. Encore. On repère la même chose de face. Coup dans les côtes, jump. Go. Encore. Des hauteurs. Gauche, droite, gauche, droite. Ok. Il nous reste un dernier carré. Deux sauts. Encore. Upper. Gauche, droite. Allez. Ok, on repart direct avec le pied droit devant, on y va. Coup dans les côtes et upper. Droite, gauche. Yes. Droite, gauche. Le dernier, on récupère un peu. Très court. Et on repart avec les jumps. Coup dans les côtes, coup dans les côtes. Encore deux passes. Encore un. On tourne à gauche. Et monte les genoux, on y va. Ouh. Allez. Donc là, il y a la même chose. Trois tours vers la gauche. On finit toujours avec les deux. On accélère. Ouh. Allez. On y va de pas. Cours et deux jumps. Encore. Droite gauche. Droite gauche. Il y en a assez d'un chaque fois. On repart de pas. Cours et deux. Encore. Encore. Un dernier tour, on y va. Devant. Côté. Derrière. Upper, on y va. 1, 2, 5, 6, 7, 8, encore. Et là, on relâche et on repart. C'est direct alterné. Gauche, droite. Ouh. Allez, j'espère qu'il vous reste de l'énergie. C'est pas terminé. Ah, beaucoup, beaucoup. J'ai une super équipe derrière. Encore. Ouh. Allez, direct. C'est ça. Yes, on continue. J'espère que vous êtes prêts. Montez les genoux, on y va. Ouh. Allez, allez, rapide. Ok. Ouh. Recommence. Un carré à droite. On y va, les potes. Deux tours. Encore. Direct, droite, gauche, droite, gauche. Encore. Et on repart à gauche. Coup dans les côtes et top. Encore. Direct, gauche, droite, gauche, droite. Ouh. On ne s'arrête plus. 20 secondes pour terminer. Direct, encore. Ne s'arrête pas. Ouh. On donne tout maintenant. Encore. On va chercher le rythme. Merci à vous de nous suivre. Yes, on tire les mains vers l'arrière. Attention de ne pas trop prendre les dos. Tu ouvres tes mains.
On tire vers l'arrière. On rejoint les mains, on pousse les mains à l'horizontale devant. On rentre le menton et arrondit le haut du dos. On va chercher vers le haut. On se grandit, on cherche la longueur. Si tu bascules vers le bas, une dernière fois, on se grandit. Et on bascule légèrement sur le côté. Et de l'autre. Relâchez tout doucement. Super, bravo à tous en tout cas. Merci à mon équipe de choc. Merci à toi Pauline. Merci Pauline pour l'idée de football. C'est parti, abdo-flash 15 minutes. On va commencer sur un petit déjouement. Tu tiens une balle, hein, tu imagines une balle. Ok, on tourne. On tourne. On tourne. Et on tourne. 1, 2, 1, 2. On rajoute le genou. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monte le genou et continue à faire une légère rotation au niveau du buste. Relâche. Talon-fesse. 1, 2, 1, 2. Yes. Le talon monte à la fesse. On fait un tout petit échauffement de 2 minutes. Reprends les rotations. 1, 2. 2, 4, 3, avec le genou. 1, 2. T'as vu, je monte légèrement mes mains. Petit saut. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Pied-point, pied-point. 1, 2, 4, 3. On descend, on squatte quelques secondes. 1, 2, et remonte. En bas. 1, 2, 3, 4. Bloc en bas. Pose les mains au sol. Avance les mains en planche. Moi, je vais me mettre de profil. Ok, si c'est trop difficile, pose les genoux au sol. Les genoux sont légèrement derrière les fesses. Aspire le nombril. Allez, on résiste. Si vraiment tu veux tenir sur la pointe des pieds, ouvre légèrement les appuis. Tu seras un peu plus équilibré. Allez, on va faire des montées de pivot, genoux à la poitrine. Ok, let's go. 1, 2, 1, 2. Souffle, inspire. Souffle et inspire sur ce mouvement. Évite de monter les fesses. Reste en planche et tu peux le faire sur les genoux. 1 et 2. 1 et 2. Ton objectif ici, c'est de raccourcir tes abdos. Évite d'arrondir le haut du dos. Cherche à serrer tes omoplates. 4, 3, 2, ok, pose les genoux, on s'allonge sur le dos. Je vous ai dit, un échauffement court. Ok, tu vas commencer les pieds à plat, on te voit Pauline, j'espère qu'on la voit. Les deux mains derrière la tête et on monte les épaules. 1, 2, descends lentement. Cherche à enrouler légèrement ta colonne vertébrale pour raccourcir tes abdos. Encore, monte, monte, le regard il est toujours vers le plafond et décolle bien ton menton de la poitrine. Souffle, souffle et inspire. D'ici je vais te demander d'aspirer ton nombril pour bien plaquer le bas du dos. Monte, encore. On n'oublie pas c'est que 15 minutes, donc on va pouvoir accélérer tranquillement, je vous sens à l'aise. Bloc en haut et reste en haut. Décolle les pieds. Genoux à 90 degrés. Les mains sont derrière la tête pour soulager la nuque. N'oublie pas, ne rentre pas le menton. Tu alternes juste les pieds. 1, 2, 1, 2. Pose la pointe de pied au sol et remonte. N'oublie pas, tes épaules sont décollées. Il n'y a pas que le cou qui est vers le haut. Décolle le haut du dos, donc les épaules. On accélère. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, ok, reste ici, pousse dans les deux jambes et fléchis, pousse et cherche à enrouler légèrement ton bassin quand tu fléchis les genoux, raccourcis tes abdos, encore, souffle, plus tu es à l'aise, plus tu peux pousser
à l'horizontale. Mais attention, ne cambre pas trop au niveau du dos. Pour ça, pousse les jambes légèrement vers le haut et aspire le nombril. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouh. Allez, courage. Souffle bien. Bloc, jambes tendues vers le haut. Ici, on va mettre une petite tension au niveau des cervicales. Décolle, lâche les mains et redonne. En haut, en haut. Continue, continue. Raccourcis tes abdos, viens brûler le centre du corps. Salut Christelle, courage, serre tes abdos. Ouh, ça va Pauline? Ça va chez vous? Ok, relâche. Ouh, bascule face à nous. Tu poses un coude sur le sol, l'avant-bras ainsi que la main. Tu vas commencer genou fléchi. Tu cherches à monter le bassin. La tête alignée avec tes épaules, ne casse pas la nuque. Ouh. Ici, deux options. Tu peux soit lever la main vers le plafond, soit la main sur la hanche. Je te conseille vraiment de garder un genou fléchi. Allez, encore. C'est en même temps pour soulager un petit peu la nuque parce qu'on va repartir après. Encore un peu. Allez, 5 secondes. 2. Ouh. On change de côté, restez toujours face à nous. Un genou fléchi. Élève, élève. Mets-toi en place. Évite de mettre tout le poids du corps sur ton coude. Place bien l'avant-bras et la main sur le sol. Allez, on tient. Un petit peu d'oblique. Les obliques, c'est les muscles qui se trouvent sur le côté de votre corps. Courage, tu tiens. N'avance pas trop le bassin, reste aligné, tête, hanche et pied. Allez, on résiste. Encore 5 secondes, 5, 4, 2, 1, relâchez. Ouh, on se remet sur le dos. Ça va la nuque, on va soulager légèrement. J'espère. Décollez les pieds tout de suite. Les mains derrière la nuque. On décolle les épaules en haut. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. On va combiner les deux jambes tendues avec les singles relevés du muscle. Reste en haut et tend. Monte, fléchis. Monte, fléchis. 4, 3, enroule ton bassin. Bloque genou, fléchis et monte les épaules. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Monte et descend. Ici, tu ne peux laisser aucun courant d'air en dessous de ton dos. Monte. Tends les jambes. Monte et descend. Souffle bien, n'oublie pas. Si tu vas bien, descends un peu plus bas. Reste et monte en single. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, reste en haut. Tu te souviens? On alterne les pieds. Pointe les pieds au sol. On va ajouter la difficulté parce que je sais que tout va bien chez vous. Ça commence juste à brûler. Tu tends la jambe. 1, 2, 1, 2, 1. Alors là, tout à l'heure, on avait fait un peu de gainage latéral pour travailler les obliques. On continue sur notre lancée. Tu vas rapprocher le coude, opposé au genou. 8, 7, souffle, inspire. Souffle, si c'est trop dur, pose un pied sur le sol. C'est une option. Encore. Souffle, souffle, encore un peu. Encore 4. Plus que 3. Plus que 2. 1. Ok, relâchez. Ouh.
Ça va, Pauline? Ça va. Ça va chez vous? À la fin de l'abdoplage, je voudrais voir vos commentaires. Attrapez un genou. Basculez. Installez-vous en gainage latéral. Cette fois-ci, on ne fléchit plus le genou. On tend les deux jambes, soit les deux pieds sur le sol, soit l'un sur l'autre. Si vraiment tu es en difficulté, fléchis un genou. On part sur 40 secondes d'effort. Ouh. Donc vous avez vu, même sans tapis, ça marche. Alors ceux qui ont du carrelage, ça va être un peu frais au début, mais après ça va. Allez, résiste, petit rebond. 1, 2, 1, 2. Ici, le but, c'est pas d'aller vite. Monte, descend. Monte, descend. Imagine une petite vis, une petite pointe sur le sol. À chaque fois que tu descends, elle te pique pour remonter. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Change de côté. Change de côté. Là, des obliques, ça va brûler. Allez, on décolle le bassin. Aspire le ventre. Allez, on tient. 4. Ce n'est pas la fin, tu le sais. Là, c'est les rebonds. Monte. Monte. Monte sans la petite pointe. La petite pointe qui pique les obliques et qui te permet de remonter facilement. Ou difficilement. Allez, courage. Si vraiment c'est dur, tu peux le faire avec un genou au sol. Ok. On relâche. Ouh. On s'allonge sur le dos à nouveau. Dernier tour. Il nous reste 3 minutes. On prend du plaisir jusqu'à la dernière seconde. Ouh. Ok. Évite de croiser tes pieds. Les mains derrière la tête. Le menton dégonflé de la poitrine, tu le sais. 4, 3, 2 et single. Haut, bas, haut et bas. Raccourcis tes abdos. Ici, tu n'as pas besoin d'aller trop vite. Juste, descends. Monte, descends. 4, 3, on tend les deux jambes. Let's go. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aspire le nombril. 1, 2, enroule légèrement ton bassin. 1, 2, genou fléchi, single épaule. 8, 7, on a de la bonne musique. Ça devrait être entraînant chez vous. Encore. Bloc en haut, étends les jambes. Encore. 8, aspire le nombril, garde les épaules hautes. Genou fléchi, reste. Jambes tendues, une après l'autre. Et reviens. Les épaules hautes. Là, si tu veux, peut-être récupérer un tout petit peu. Poser la tête sur le sol. 4, 3. On rajoute le crunch oblique. Prends ton temps. Rapproche le coude du genou. Encore un peu, encore un peu. Ici, il faut que tu ressentes le côté. Tourne. Courage, courage. Encore 2 minutes. Ouh. Alors passe sur l'exercice, hein. Ok, relâchez. Basculez sur le ventre. Les mains au sol. La planche. Comme l'échauffement. 1, 2, 1, 2. On accélère un peu. 1, 2, 3, 4. Si c'est trop difficile, pose les genoux. 1, 2, 1, 2. N'oubliez pas, si vraiment c'est trop rapide, ralentis. 8, 7, 6, 5, 4, c'est la fin. 3, 2, 1. Relâchez, posez les genoux. Rapprochez les fesses des talons, tendez les bras. Ouh. Placez les mains à côté des genoux. Ok, on va étirer les abdos. On a vu les M&M's, ça dort. Ça nous a motivés. On les a éliminés là. Inspirez. Poussez les mains vers le haut.
soufflez sur le côté. On revient. De l'autre. On revient. Et là, on déroule le dos. Laissez-vous tomber. Main sur les cuisses et remonte. Déroule bien ton dos. Enroule les épaules deux fois vers l'arrière. Et inspire. Attrape tes mains, pousse la paume des mains vers le haut. Monte sur la pointe des pieds. Relâchez bras que les bras. Avancez votre bras droit, votre bras gauche. Un grand merci à vous. Et on se dit à très vite. Donc jeudi pour une vidéo YouTube, samedi pour une vidéo YouTube, et mardi prochain, encore un live.